It's 20 seconds till last call. Going ahead. Ok les potes, c'est Guéloupa, j'espère que vous allez bien les potes. Écoutez, c'est le grand jour, c'est le jour J, c'est le jour du Sneakers Event les gars. Là on va se diriger directement au Sneakers Event. Moi je vais juste vous dire un truc, c'est que j'ai pas ma caméra de vlog, c'est pas la caméra que j'ai là, c'est pas la mienne, c'est celle d'un pote. Donc du coup je pourrais pas faire des espèces de vlog, je vais plus faire une vidéo image, vous voyez ce que je veux dire? Avec un montage de fils, vous voyez ce que je veux dire? Ok, si tu veux parler à quelques moments, si tu veux mettre une petite parole, bah je le ferai, mais sinon ce sera vraiment que de l'image. Et pour vous, ce sera peut-être plus intéressant pour vous de voir un bon montage avec des belles sneakers. Un event qu'on a tellement attendu et tout. Mon gars, aujourd'hui la paire, c'est quoi? C'est évidemment la petite Gucci. J'aurais été fou de pas la sortir pour un event aussi prestigieux. Sneakers Event Money. Donc du coup, c'est la grosse Gucci Return. Voilà, de chez Gucci. Un petit track pants de chez Kappa, évidemment. Avec la petite bande dorée. Impeccable. Impeccable. Et le nom de ce pull là sur l'écran, parce que là j'ai oublié. Voilà, donc voilà. Et en dessous, un t-shirt un peu long, un t-shirt noir un peu long. Ça va être lourd. Du coup, les potes, Sneakers Event 2018, les roussettes du Louvre, Manet, Camino Gang, eBay, la maraude du cœur. 3700 m² de sneakers Manet. On y va, les potes. C'est parti. What's up and kick it? Right. I ain't picking my phone, she got a fender. She called me back in 20 minutes. Damn. I'm in my zone, I'm into. Hey-o, hey-o, I'm a rolling stone. Yeah. Don't knock on my door, cause I ain't never home. No. Don't knock on my door, if I'm home, I'm in the zone. So. Don't knock on my door, yeah. If I'm home, I'm home alone. Hey. Yeah. I'm in my zone, yeah. Try to talk when I'm zoned out. I'm too high, you gon' have to bring the drone out. Ribbon in the sky when I blow that smoke out. All blue hunnids, pockets loped out. Shorty in the gym, that ass poke out. Couple white girls, bring the coke out. Smoking big green, bring the Hulk out. Don't knock on my door, cause you're not invited. I might be home alone or I might be having a party. Hey-o, hey-o, I'm a rolling stone. Don't knock on my door cause I ain't never home. Don't knock on my door if I'm home, I'm in the zone. Don't knock on my door if I'm home, I'm home alone. Hey, I'm in my zone, yeah. Don't hit my phone, yeah. I'm in my zone, yeah. I'm in my zone. Yeah. Hey, hey, oh, I'm a rolling stone. Yeah. Don't knock on my door, cause I ain't never home. No. Don't knock on my door if I'm home, I'm in the zone. No. Don't knock on my door yeah. If I'm home, I'm home alone. Hey. Yeah. I'm in my zone, yeah. Real. Don't hit my phone, yeah. No.
Ok les potes, c'est Galopage, j'espère que vous allez bien les potes, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. Le montage, j'en suis pas peu fier, j'avoue que franchement je me suis gavé, j'ai kiffé faire ce montage du Sneakers Event. Il n'y a pas eu de parole, il n'y a eu aucune parole à part au début du vlog, mais c'est bien comme ça je trouve. Je trouve que c'est bien de pas forcément faire un vlog où je parle tout de suite 30 secondes, mais faire un vlog vraiment d'images, créer, innover, chercher des angles de prise de vue qui peuvent être changeants, qu'on voit pas d'habitude, même sur YouTube ou même dans mes vidéos à moi. Et c'est vrai que franchement j'ai vraiment kiffé faire ce montage. Si vous avez kiffé le montage, bah les potes, soutenez-moi, mettez un pouce bleu en l'air. Voilà, ça serait, je pense, une grosse reconnaissance pour mon travail, pour le taf que j'ai effectué là-dessus, même que je fais au quotidien sur YouTube. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et par rapport au Sneakers Event, pour vous parler un peu rapidement du Sneakers Event, bah écoutez, j'ai simplement kiffé l'event. Il était organisé à la perfection par Camino Gang et bien sûr Ben Koshi. Ben qui est donc l'organisateur officiel du Sneakers Event depuis toutes ces années. Voilà, donc franchement c'était incroyable, le lieu était incroyable, Carousel du Louvre, pour se l'offrir, hein, c'est quand même deux grosses salles, c'est un truc de ouf, c'est pas seulement le carreau du temple comme il y a un an, franchement mais big up à l'équipe de Camino TV, Mané, Bang Bang Bang, et surtout les gars à Ben Koshi. Aussi j'ai beaucoup apprécié voir des gens que je voyais pas forcément souvent par rapport à YouTube, je pense bien sûr à La Routine, bah mec, j'ai rencontré, gros, si tu vois la vidéo, bah tant mieux. T'as ta personnalité, t'es là, t'es spontané et c'est vraiment cool, mec. Continue, force à toi, de toute façon, t'es dans la vidéo et t'es en barre d'infos, évidemment. Vincey, donc Vincent, que je connais pas forcément beaucoup, juste de vue, on a pu se parler quelques fois, vite fait. On se connaît pas forcément beaucoup, mais pareil, il fait des contenus de ouf, donc très très lourd. Donc là-dessus, bah on soutient tout ça. Nabi, Ramfest, évidemment, bah Hugo, quoi, Ramfest. Vous connaissez les bails, de toute façon vous connaissez le chemin pour aller voir la chaîne YouTube de ces bons messieurs là, en barre d'infos. J'ai vu aussi Camille, donc Cam15, qui est donc illustratrice, qui fait des visuels sneakers qui sont plutôt cool, et que pareil j'ai envie de la soutenir vraiment, donc c'est en barre d'infos également. Si vous voulez des prints de sneakers, elle peut faire ça à la demande, comme ta gueule toi. Elle se rend disponible pour ceux qui demandent son service, donc franchement c'est archi lourd. Et bien sûr, bah Tonton Gibbs, enfin voilà, j'ai vu masse de monde. Et surtout les potes, merci à vous tous d'être venus me voir, franchement, c'est ce que disait La Routine dans sa vidéo d'explication de Sneakers Event. C'est vrai que on voit les commentaires et tout, c'est ce que je disais aussi, on voit les commentaires sur les vidéos, mais c'est pas pareil en fait, là on vous voit en vrai, et vous nous balancez de l'amour en balle dans la tronche, c'est assez affolant, c'est complètement ouf de se rendre compte en fait vraiment de tout le monde qui nous suit derrière leur écran, tout ça, et qui nous soutiennent. C'est vraiment ouf en fait de se rendre compte en fait que bah, les commentaires c'est des gens réels qui sont derrière ça, et quand ils vous voient en vrai, ils viennent vous le dire en face en mode... Putain, mais mec, tu fais du lourd, continue comme ça, ne lâche pas ce que tu fais, on aime ce que tu fais, gros, et lâche pas, et ça fait tellement plaisir, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous nous lancez de l'amour, c'est de l'amour en balle, les gars, c'est énervé, c'est tellement lourd. Enfin voilà, du coup, merci beaucoup pour tout ça. Sneakers Event, bah, encore une fois, c'était excellent, voilà, je me répète, mais c'était vraiment bien organisé, c'était propre, c'était fluide, il y avait max d'exposants, il y avait max de choix de sneakers. Mais par rapport à ma wishlist que j'ai fait dernièrement, bah j'ai pas pu cop, j'ai cop aucune paire, parce que bah moi je voulais en avant tout la triple S, il y en avait une seule du salon, et ma paire de Off-White que je voulais trade, comme elle est pas DS, en super état, hein, mais pas DS, là j'ai pas pu la trade. Même en mettant billet avec, ça passait pas, parce qu'il faut, les gens veulent absolument du DS, du machin. Bref, en tout cas, j'ai quand même réussi à la vendre quelques jours après par le biais d'un abonné. Donc, c'est donc la fin de la vidéo, les potes. Encore une fois, bravo à Camino, bravo à Ben, à toute l'équipe de Camino, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qu'on connaît, donc P-Way, Sean et Cosmo, etc. Il y a enfin, vraiment une équipe complète pour l'organisation, pour la billetterie. Du coup, j'ai qu'une hâte, c'est d'être à l'année prochaine pour ce Sneakers Event numéro 12. Voilà, les potes. Sur ce, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Si vous venez d'arriver sur la chaîne YouTube, bah faut savoir que moi je fais des vidéos de mode, je donne des conseils de mode, enfin des conseils, je suis pas Christina Cordula, mais en gros je donne des petits conseils que moi j'applique à moi-même depuis quelques temps, depuis même quelques années maintenant au niveau de mon style vestimentaire. J'aide les gens à accepter leur style et le faire accepter aux autres, parce que quand on a notre style à nous, c'est pas évident de le faire accepter aux gens qui nous entourent. Donc du coup moi c'est plus ce genre de vidéo là que je fais, je parle aussi de sneakers par de temps à autre et tout ça. Donc si ça te plaît, bah abonne-toi à la chaîne, rejoins-moi. On est bientôt 60 000 sur la chaîne YouTube, on est bientôt 100 000 également. Sur ce les potes, je vous embrasse, l'amour en balle encore une fois, et merci pour tout, merci d'être venu nous voir, etc. Merci pour tous ces moments-là,
Et à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, les potes.